Bonsoir et bienvenue pour suivre nos bulletins de nouvelles pour ce samedi le 27 février. Nous démarrons avec bonne rentrée. Ministère de la Santé recevra encore seringues et l'équipement comme une autre donation en relation avec la pandémie COVID-19. Service la Poste a annoncé que section collier, section petit paquet pour permettre au public jusqu'en nouveau l'ordre. L'Académie Tourisme fait descendre certains critères pour capable de gagner autant d'étudiants possible qui est intéressé pour le travail de son industrie. Bonne scène pour bientôt capable de contribuer pour agrandir connaissance de nos collègues et du monde dans notre communauté, nos services financiers. Nous avons le bon détail à présent. Nous pouvons recevoir la dernière mise à jour, la quantité de cas COVID-19. Nous avons donné l'information si nous recevons pendant le bulletin. Ministère de la Santé, il recevra encore 3 donations jeudi après-midi. Ça a sorti pour l'ambassadeur de l'ordre souverain militaire Malte, ici Cécile, Madame Alexandra Azaïs et son garçon. Communauté népalaise Cécile et General Employees Trade Union of Seychelles Getters. Ça a été pendant une cérémonie qui fait contre cette conférence chez Khalifa. Ambassadeur de l'ordre souverain militaire Malte, Madame Alexandra Azaïs, si premier pour présenter sa donation. Elle a 5000 seringues complètes avec aiguilles, qui est présente avec ministre pour la Santé, Madame Peggy Vidotto. Une donation que Madame Azaïs a fait de la part de son garçon, Alexandro. Un geste que ministre Vidotto a bien accueilli, c'est tout là qu'ils ont pu donner plus de vaccins Covishield qui ne viennent pas avec seringues. It is a drop in the ocean. But it is a personal donation from my son. So again, he comes forward to give his little help for the campaign against COVID-19. And I'm really, really proud and happy to present it to you today. On behalf of the ministry, the government, and myself, a very big thank you to your son for his generosity. As you've said, it's not the first time that he contributes to Seychelles. And for this, we're really grateful. Every little help that we get assists within the big mammoth task that we have to respond to control and prevent the COVID pandemic here. So the donation of syringes will be very, very helpful in our campaign to immunize as many people as we can in Seychelles against COVID-19. And it is therefore very, very much welcome. C'était député chef exécutif de l'Agence de la Santé, Mme Kathleen Cécile, qui recevra l'aide des donations. D'abord, il somme 40 000 roupies sur la communauté népalaise Cécile. C'était représentant de sa communauté, M. Ram Prasad Panta, qui fait sa donation. Et M. Prasad, il remercie le ministère de la Santé pour accepter sa donation, qui est une contribution envers le fonds COVID-19. When you came to my office to say that the community wanted to join together to make a contribution to support the efforts of the Ministry of Health towards combating the COVID-19 pandemic in Seychelles, I must honestly say to you, I was personally very touched. So from the bottom of my heart, I say thank you. It feels really good when communities within our community in Seychelles see in which position we are, and you are part of our community when you are here. And when you reach out to support us, it really adds so much more moral support to our staff who are out there on the front line every day. Finalement, l'Union générale, mon employé Cécile Getters, qui présente le ministère avec l'équipement et les autres commodités, la valeur 67 000 roupies. Parmi, il y en a des laptops et des printers qui parlent pour certains centres d'isolation COVID-19 dans le pays. C'était Madame Tina Waro qui te présente sa donation de la part Getters. We converted on your request on some items that you really need, the printers and the laptops. But on top of that, we had a special thought for the workers that are on the front line. So we provide for them some support, energy for them to pass through the days that they are doing a wonderful job. We thank them very much. And the vaccination campaign program for the fight against COVID-19, I think is something that touches everybody very close.
I think that this can help to give them the additional strength that they need to continue the wonderful job that they are doing. It will go a long way in helping us with our daily duties. The laptops, one of them will go to the National Immunization Manager, who's a key member of the vaccination core team. Your donations of these IT equipment will enable us to work more efficiently and effectively in communicating everyday developments. Wonderful. Thank you so much. Our staff in the front line will really appreciate your thoughtful contribution, which will make their lives a little bit more easy. A bit sweeter. A little sweeter. Service La Poste s'est annoncé qui section Colli qui situé Victoria House et section Petit Paquet qui Liberty House pour fermer pour public jusqu'au nouveau ordre. La Poste dit dans un communiqué qui dès son travailleur dans sa section il a été testé positif pour COVID-19 et selon bonne consigne ministère de la santé tout monde les autres travailleurs qui ont eu contact avec sa des travailleurs il a en isolation côté autres jusqu'aux autres résultats autres PCR. Malgré sa situation, les autres stations de la Poste restent ouvertes et les autres sections côté Liberty House y aussi restent ouvertes. Il est nécessaire qu'il y ait de plus en plus, il y en a plus ces lois qualifiées pour travail dans le secteur tourisme, pour réduire la dépendance de l'eau étrangère et d'un bon visiteur, ça qu'ils ont une vie ici pour expérimenter qui interaction avec ces lois. C'est pour sa raison que l'Académie Tourisme fait descendre certains critères pour capable gagner autant d'étudiants possible qui intéressés pour travailler dans sa industrie. Sa bonne étudiant qui expectait commence zot l'étude côté sa l'académie insistément registré pour zot bon cours et rencontrer zot bon enseignant pour des sessions familiarisation qu'il fait côté ICCS. Il y en a plusieurs années depuis que l'académie tourisme STA peut offrir cours de gestion l'hôtel ça il au niveau degré et y aller pour 4 ans mais ça l'année avec situation COVID-19 ça cours aussi il gagne affecté. Pendant sa quatrième année, sa degré, bon étudiant est supposé à l'Anilon, côté Shannon College. Et depuis septembre l'année passée, est supposé à un nouveau groupe étudiant pour faire son dernier bout de l'étude à l'Anilon. Mais sa neuf étudiant, il voit les autres puis à présent suivre sa cours à travers Internet ici même. L'officier 16, sa programme, côté STA, Ursula Isparon dit que malgré sa pandémie, sa cours peut continuer. Mon étudiant, je feel proud. Qui zot ingay hasans actually comme des papiers habu channels zot connect zot faire les local et zot une quantité support so peut que il y a blessing in disguise in a way qui zot pas channel zot gagner ça c'est pas en plus both comme from parents avec aussi STA. Il y en a ça bonne situation qui tantôt écoute pas étudiants zot pas grand place dessus dans zot tourner ça ça là en discussion les autres tourner zot supposé travailler dans l'industrie tourisme pour 4 ans. Vous êtes fini avec cette bonne 4 ans. Définitivement, vous êtes capable d'apprendre un master's. Bon étudiant qui peut suivre sa cour, il dit que même si vous avez gagné cette expérience complète de degré en Irlande, il y a aussi un aspect positif avec rester Cécile pour faire l'étude. Nous allons comme si il plaît mieux que nous restions là, vu que si nous travaillons, nous risquons de gagner un risque avec ce virus. Mais aussi si nous on a nos support nos parents nous lecturer aussi qui peut aider nous bien si oui nous prenons une place le temps nous finir nos studies actually COVID il peut aider un peu pour capable donne bon étudiant qui soit Shannon appeler bon place managers. Richard Rose, qui aussi a étudié sa cour, dit qu'il n'a pas de difficulté pour adapter avec suivre bon cours à travers Internet. Il peut assez bien nous faire lire online même. Ici, on a différence entre les. Pareil, tout nous pouvons commencer à niveau bon matériel là-bas. So, ici, c'est lien. Et on est couru à l'esprit à 10h du soir, 9h du soir. C'est même pas trop un problème pour nous. Sauf à Internet, il y a un bon problème qui nous a comme connexion coupée de temps en temps. Et à coup internet qui c'est celle nous besoin payer pour nous faire une bonne classe à cause de que ça se fait online besoin payer des vidéos et aussi et par exemple nous avons coupé
de bonne la classe, de faire bonne leçon à cause connexion internet. Sa quatrième année, sa cour de gestion de l'hôtel, puis gagne financé en majorité par le ministère des Affaires étrangères irlandais, à une somme un petit peu plus qui 2,3 millions de roupies. Et Shannon College peut couvrir la restant frais à une somme proche 800 000 roupies. Bonne zen pour bientôt capable contribuer pour agrandir connaissance zout bonne collègue et dimoun zout communauté le service financier à travers programme qui la banque centrale in lancé qui appelle ambassadeur l'éducation financière excuse-moi et quarantaine zen in go sélecté pour suivre sa programme pendant le lancement de sa programme qui s'y fait virtuellement contre la Banque centrale mercredi, gouverneur de la Banque centrale, Caroline Abel, il dit que sa programme Yava et Dimoun adopter nouveaux technologies financières qui a fait toute la vie vienne plus facile. Comme il y a des pays, il y a plusieurs nouvelles facilités électroniques qui Dimoun est capable de servir pour faire des transactions financières telles comme une machine ATM, pour tirer de l'argent et payer de billes, ça qu'ils ont besoin à dans la banque ou bien les autres endroits pour mettre l'année. Sa bon service financier, il y a aussi existé le bon smartphone, quand un dimanche capable de transférer l'argent, sortir un compte pour l'un l'autre. Ça est un développement qui est arrivé dans sa bonne dernière année, qui fait qu'il amène un constant changement de bon service et produits financiers qui est relié directement avec le développement de l'informatique et l'innovation dans la technologie. En vie pandémie virus corona, le programme ambassadeur de l'éducation financière pour Banzen qui a été lancé virtuellement. De son adresse, le gouverneur de la Banque centrale, Caroline Abel, il dit sentir qu'il y a beaucoup de monde qui a encore hésité pour bouger avec le temps et la technologie à cause d'un manque d'éducation. Et il croit qu'avec ce programme, Banzen est capable de faire une différence. Comment un bon plus grand groupe la population? Zen y a une habilité pour transformer la façon qui nous fait une génération. Il manque pas juste propre l'argent, mais aussi assister plus bon gestion de ressources financières, le niveau de notre famille et aussi pays en général. Alors, ça y est un message qui m'a content passe avec autres aujourd'hui. Le temps nous peut commencer à s'attraser ensemble. Service à l'opportunité qu'ils ont pu gagner pour faire une différence et créer un impact positif dans nos sociétés. Prends en compte ben différents conseils. Pas peur pour demander autant de questions que possible et garde en tête qu'ils ont pas en mettre aux zen pour faire une différence. À travers ce programme, la Banque centrale peut donner des participants à bons outils, à travers des sessions d'apprentissage, pour les autres contrôler leur situation financière, pour leur propre bénéfice à l'avenir. Julie Ciseau, il y a parmi sa 43 zènes âgées entre 16 et 30 ans qui nous donne ce programme Zen Ambassadeur d'éducation financière. Moi, j'ai des besoins pour améliorer mon connaissance, mon compréhension, le bon aspect financier. Moi, j'ai aussi un bon plan. Que faire un programme à m'aider mon pour plus bien faire bonne décision donc concernant mon dépense mon bon dette mon bon vraiment spending ce qui m'en a comme vraiment car de quitter mon revenu faire bonne décision là pour car investir avec ce programme qui m'ont respecté bien gagner bon bagage dans les fiches mon visage c'est partagé avec comme les autres scènes spécialement de mon lycée quand on se marie. Et aussi dans mon travail, puis je m'en ai travaillé dans le secteur financier. Il y a aide la population, aide le pays, le gouvernement, tout le monde. Un peu le gouvernement, pour tout le monde, une génération, un groupe zen qui peut prendre des autres l'argent, pour dépenser, pour investir, pour commencer. Comme quoi, il n'y a pas bénéficié nous tous dans les futurs. Ce programme il marque première étape de l'engagement de la Banque centrale avec la population en termes d'éducation financière, depuis qu'il crée une division qui est responsable d'inclusion et soutien vis-à-vis comportement financier en mai 2017. Première édition de ce programme pour aller pendant sa l'année entière. L'hôtel Raffles, le Pralin, en partenariat avec Truss, peut travailler ensemble pour réduire la pollution de bassin au Stakamaka qui au beau saluté le saï après conseil qui ne levait pas certains membres publics qui ont de l'huile dans de l'eau.
Ben di moun ki n'fè la route en ce bonnet récemment, il fait remarque qu'il y a des sages un peu gros orange, l'aussi face de l'eau, de bassin, avant de l'hôtel Raffles à Stakamaka. Il y en a 10 ans depuis que ça l'hôtel a été construit. En 2014, il y a un écosène qui s'est levé, qui a été levé, sorti de ça l'hôtel, qui a pénétré l'aussi face. Nous avons avec un dimon qui pas nous les causes de la caméra, qui sont très concernés avec sa situation. Il y a des logos qui ont commencé à couler depuis pas combien d'années passées. Par exemple, pour cacher ça, ils ont fait une barrage de bois. Mais apparemment, je ne connais pas si ça une barrage de bois. Puis, c'est plus visible. En plus, qui ça, tout ça, manglier qui est là. Tout quelque chose qui est là. Ça a voulu checker où la bonne dimon pas et trace, bonne organisation qui vient planter. Mais par exemple, il y a des gens qui spread partout. Ils peuvent quitter ça. Ça une espèce basse qui zote une fait là il peut quitter peut spread partout en plus qui ça y en a là mal au bord si ça de lui il tombe de halama qui pas arrive tiens un tek là entier là au mas c'était après tiens quand tu t'es bonne species là de hamaglier et quand tu t'es dit mon chico t'avais une chipotre là ben là au mas c'est là y en a là bout partout puis ça tu habites y en a pas assez tu habites y a là rien et plus y en a ben quelque chose de l'eau il restait gris il restait noir. Suivant l'incident en 2014, l'hôtel Raffles a partenariat avec Trace qui commence à travailler ensemble pour occuper cet endroit pour réduire le risque de pollution. Sa l'hôtel est responsable pour sens de la pompe et pompe de l'eau de sa bassin. D'après Chairman Trust, Dr. Victorin Laboudalon, il est au courant de sa situation et responsabilité Trust pour occuper cet endroit. Vous connaissez, ça y a une vieille histoire. Présent aujourd'hui et le lendemain, on n'est pas capable de faire tout quelque chose pour les finir. Ou pour trouver, nous pouvons étudier ça manglier, nous pouvons mettre dans un manglier, qui qualité manglier, qui t'y fait plus bien dans son temps. Et moi, je connais ça l'endroit depuis avant. Et par là, au côté de sa ponte, au côté de sa bassin, là, nous pouvons planter une végétation, surtout bambou. Bambou, il y a un herbe qui est capable de combattre les bactéries dans de l'eau. Et capable de contrôler n'importe quoi. De l'huile s'il y en a qui descend. Pour comme là, de l'huile n'a arrêté de descendre. Mais seulement ça qui est accumulé dans la terre, il peut mettre un bon peu l'année avant l'air, il finit sortir net. Ça même nous peut planter bambou, pour bambou naturellement pour aider nous pour capable traiter ça de l'eau qui descend dans la mer. Mais aujourd'hui, nous peut remarquer qui nous peut prendre en contrôle ça. L'air qui commence à couler. Vous pouvez remarquer qu'il y a un manglier, il y a un tabac de manglier, il est mort, vrai. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de manglier qui est mort. Et nous pouvons planter un manglier, nous pouvons observer scientifiquement, nous pouvons prendre l'information pour nous être capables de donner feedback et nous pouvons faire rapport pour dire là, il y a telle façon. Et qui nous croit, sa région, tout dit long, avec sa vallée qui descend là, nous pouvons replanter et replanter les autres dibois. Pour qu'on ne contrôle ça l'endroit, faire l'endroit, venir dans l'état naturel, qu'il est ou passé, ou ne puis trouver sa bassin. Trace y envisage plot pareil porcé et bois de rose qui pourrait détruire contamination de la terre. L'Institut national pour technologie et innovation NISTI pour capable introduire nouvelles technologies dans l'éducation et l'industrie qui va aider le développement de la science et industrie dans le pays. Là, qui a gagné donation et machine qui est capable d'imprimer et produire dans trois dimensions. Sa donation est faite par professeur Ralph Etienne Cummins et c'est celui qui travaille côté l'Institut médical et biologique américain. Sa machine qui est capable d'imprimer quelque chose en trois dimensions, ça qui est aussi connu comme un 3D printer, il y a un équipement qui est depuis longtemps dans l'Institut national pour technologie et l'innovation, NISTI, qui peut aider pour promouvoir le développement de la science, technologie et innovation CCL. Ça, il y a un équipement qui est capable d'aider dans la fabrication de plusieurs objets, pareil, ben statues, lunettes, fausses dents, fausses lipiers, pièces loto, les os, masques qui servent dans le film, parmi plusieurs les autres quelque chose encore. Après que nous travaillons ensemble pendant ces derniers 3 ans, surtout dans la compétition robot, qui c'est celle qui prend par là-dedans et qui gagne collaboration professeur Ralph Etienne Cummins, et c'est celle qui travaille avec l'Université John Hopkins l'Amérique, professeur Etienne Cummins a décidé de faire une donation à sa machine qui coûte environ $1,000 avec NISTI.
Professeur Etienne Comics dit qu'il sentit une telle machine et pour utile pour Nesti, qui peut encourager plus de monde pour intéresser dans la science, technologie et innovation. Ça, il y a une technologie qui peut venir plus fort avec le temps. Il peut venir une technologie qui nous permet de faire n'importe quelle chose que nous voulons. Pour le moment, il plus le côté plastique, le côté métal. So, because avec Monsieur Esticot, nous connaissons, nous avons dit 5 ans, un endroit qui nous a fait 3 choses avec, nous avons aidé les enfants à comprendre qu'il y a une bonne technologie dans le monde. Et l'autre, nous avons aidé les autres comme si apprendre moyen pour servir à la technologie, à cause de son computer programming, you know, son les autres technologies, les autres questions que nous avons besoin d'apprendre pour servir. Et en 3, il y en a beaucoup, nous sommes capables dans l'industrie et l'autre outil que vous avez servi dans votre développement. Nesti envisage de servir sa machine pas juste dans son programme d'éducation, mais aussi pour bénéficier d'un entrepreneur aussi. Sa 3D printing, car il est capable de l'industrie dans un prototype. OK? Mais nous, l'objectif, il est seul machine qui nous a. Il est la phase pour entrer dans nous. Et nous les mettons aussi dans nos incubateurs, dans nos business technology incubateurs, pour éventuellement que nous les avons, avec le concept que Dr. Chkamin discutait, nous c'est dans un makerspace. Un makerspace, c'est un endroit où la technologie est available. Bon entrepreneur qui a accès à cause de la technologie qui sert ou pas casser. Mais c'est moi qui apprends, je vais venir servir là. Mais si ça qui est capable de son capital, pour importer, mais c'est moi qui connais. Nous transférons cette technologie dans nos CCL pour dire que nous avons exposé à l'économie. SBC apprend le mot businessman cécilois Jean Dingwall. Monsieur Dingwall est fondateur de la compagnie PNG Homemakers, un business familial qui peut fournir bonnes matériaux de construction et quelque chose de la case qui est essentiel depuis plus de 3 décennies. Président Wavell Ram Kalawan, le non-gouvernement, Pepsi Silva exprime son sympathie et condoléances pour la famille M. Dingwall. Il dit que M. Dingwall est un businessman sicilois qui est rempli de passion, qui joue un rôle important pour fournir bon matériaux et produits de qualité pour beaucoup de familles et la case Sicile. Il dit qu'avec plus de 30 ans de sa business, nous avons dit qu'il y a un masque et nous avons son contribution vers nos papers. Président Ram Kalawan dit qu'il héritage M. Dingwall pour continuer à travailler service et support qu'il fait pour la communauté par son business. Suivant ça, l'incident, on sait qui concerne un zen couple qui peut rester en bas un pont Beauvallon, qui nous dit passer de nouvelles hier, et mener sa district John Waro, qui nous dit contacter hier ou sa cise, il dit nous aujourd'hui dans un communiqué qui nous va écouter SBC, qui nous rôde un peu plus l'information ou sa situation. M. Waro dit qu'il prend contact avec maman sa garçon, qui dit que sa situation est résultat d'un problème familial. Emmanuel Beauvallon dit qu'ils sont l'office et l'office l'administration district peut liaiser avec service social pour l'assistance. Nous sommes présents à la fin du bulletin. Merci pour qui nous suivent ce bulletin et passe une soirée agréable pour suivre l'arrivée du programme l'OSBC.